A, B, C, D. Bonjour à toutes et à tous. Un petit tour de la Lune en prémisse à la première nuit de On the Moon Again, puisque un nouveau direct va être pratiqué demain si les conditions le permettent. Alors aujourd'hui, dans le nord, le ciel était couvert. On a eu même un petit peu de pluie. Le problème, c'est que le ciel s'est complètement dégagé et que, bien sûr, le refroidissement est important et rapide. Donc le ciel est turbulent. Donc ça, c'est une condition météorologique qui n'est pas strictement locale liée au site d'observation. C'est une condition générale sur la région. Donc là, on commence par le cirque Aristote. Donc Aristote, c'est un cirque donc, qui fait référence à Aristote, donc philosophe et savant universel grec, qui a donc influencé l'Europe pendant un certain nombre de siècles. Bon, c'est un cirque qui est très beau, très très grand, 87 km de diamètre. Alors il paraît ovale simplement parce qu'il est situé près des régions polaires nord de la Lune. Donc c'est l'effet de perspective qui donne cet aspect ovale. Il est situé à 17 degrés est de longitude et 50 degrés nord sur la Lune. La prise de vue se fait au foyer du Célestron 14 de l'observatoire, à l'aide d'une caméra ASI 178 noir et blanc, qui permet d'arriver quasiment à l'échantillonnage au foyer direct, ce qui est bien pratique. On peut toujours s'amuser de faire une capture de cette image, essayer d'en faire quelque chose. Il y a peu de chances que ça donne image du siècle, mais on peut essayer quand même. Donc, je vais essayer de le faire en bidouillant entre les différents logiciels ouverts ici sur l'ordinateur. Pour information. Du point de vue technique, en fait, je capture l'image de la Lune sortie de Fire Capture sur OBS Studio et d'OBS Studio, j'envoie en streaming sur YouTube. Et ce, via un modem de téléphone portable, un Galaxy S20.
Donc la séquence est lancée. L'idée, c'est de capturer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images compte tenu de la turbulence pour essayer de récupérer les 50 ou 100 meilleures qui serviront ensuite à composer l'image qui sera retenue. Compte tenu de la turbulence, la caméra est équipée d'un filtre IR642, ce qui permet d'atténuer les effets de turbulence. Ça atténue aussi bien sûr la résolution, mais quand on n'a pas de turbulence avec cette configuration, on obtient une résolution spatiale d'environ 0,4 secondes de degré. Alors, il ne fait pas encore nuit, comme vous le savez. Il n'empêche qu'on peut commencer à faire des images même si la nuit n'est pas noire. C'est la raison pour laquelle je me suis installé un petit peu plus tôt que d'habitude, de manière à ce que le télescope puisse se mettre à température, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas d'ailleurs. Donc là, j'en suis à peu près à 1200 images. C'est une capture que je fais en plein champ pour faciliter les choses. Bien sûr, si on veut faire de la haute résolution, il faut augmenter la cadence d'image. Et augmenter la cadence d'image, ça veut dire éventuellement cadrer plus petit sur le cirque, ce que je ne fais pas puisque le pointage polaire est complètement approximatif et que l'image dérive sensiblement dans le sens nord-sud. On en est ici à 2000 images, alors bien sûr, la durée de la séquence idéale compte tenu du mouvement des ombres de la Lune devrait être d'une trentaine de secondes. Mais comme on n'est pas sur le Terminator, loin de là, on peut tolérer bien sûr beaucoup plus, même si au final on aura un petit bougé sur des ombres qui, comme on le voit sur l'image, sont quasi inexistantes. Là, on en est à 2100 images, on va essayer d'aller à peu près à 3000. Là, on est à peu près à 3200, donc on arrête la séquence. Pour aller se promener sur un cirque très beau et voisin, qui est le cirque Eudoxe. Voilà, le cirque Eudoxe qui est plus petit.
est un cirque de 67 km de diamètre, donc qui fait référence à un astronome grec qui a vécu en gros 4e siècle avant Jésus-Christ, donc élève de Platon et très bon géomètre. Donc le cirque d'Ox, qui est aussi un cirque très contrasté. Une température qui baisse de plus en plus, donc une turbulence qui augmente de plus en plus, ce qui est parfaitement logique, mais de toute façon, on fait avec puisqu'on n'a pas le choix. Juste en dessous de Dox, on a une espèce de petite plaine qui est en fait un très ancien cirque, qui est le cirque Alexander ou Alexandre, qui fait référence à Alexandre le Grand de Macédoine. Alors c'est l'un des rares cirques sur la Lune qui porte un nom de personnage politique, puisque la règle dans la nomenclature astronomique est d'éliminer le plus possible tout ce qui a trait à la politique, au souverain. Dans les constellations, il y a deux constellations qui ont échappé à la purge, à savoir l'écu de Sobieski, qui fait référence à un prince polonais, et la chevelure de Bérénice, qui fait référence à la sœur de Cléopâtre, Bérénice, que Cléopâtre a fait trucider pour prendre sa place. Le cirque Alexandre, c'est une plaine très érodée de 82 km de diamètre. Là, je vais centrer un petit cirque très très contrasté, enfin une paire de cirques très contrastés. Celui de droite, c'est Callippus, qui est un astronome grec élève de Dox. C'est un cirque de 31 km de diamètre et dont l'élévation est de 2690 mètres environ. Et juste à côté, on a le cirque Caccini-Cé, qui fait 13 km de diamètre et dont le dénivelé de 2420 mètres. Je recentre tout ça. Tout ceci pour arriver sur le cirque Cassini, qui est très caractéristique, avec ses deux cratères récents, donc au centre d'une arène beaucoup plus ancienne. Le cirque Cassini fait bien sûr référence au premier directeur de l'Observatoire de Paris, Jean-Dominique Cassini. C'est un cirque comblé de 56 km de diamètre et de 1240 mètres de dénivelé. Et le plus grand des deux cirques placés à l'intérieur, c'est Cassini A, qu'on voit donc ici. Et le second, évidemment, c'est Cassini B, donc Cassini A, Cassini B, Cassini C. Cela montre qu'il y a encore de la place sur la Lune pour nommer quelques cirques d'un diamètre appréciable et observable à tous les instruments sur la face visible de la Lune. Alors ici, on a une montagne qui est toute seule perdue dans la mer des pluies, que je vais essayer de grossir un peu. C'est le mont Piton.
qui est une montagne isolée de 2250 mètres d'altitude. Donc vous voyez quand même que malgré la turbulence, on voit quand même un certain nombre de détails sur cette montagne, qui finalement n'est pas très très haute. Elle fait référence aux montagnes de Tenerife. D'ailleurs, les monts Tenerife sont pas très loin dans la mer des Puys. Là, on arrive sur la vallée des Alpes. Alors, de façon tout à fait intermittente, on devine la Réunion centrale. Cypriche était placé sur la Lune. L'observatoire se trouverait sur la berge nord de la vallée des Alpes, tout près des massifs montagneux qu'on voit sur l'image. Donc on est sur le bord de la chaîne des Alpes. Ils font naturellement référence aux Alpes terrestres. Donc là, on a la vallée des Alpes et une partie du massif des Alpes. C'est une chaîne dont la hauteur varie entre 1800 et 2400 mètres. Et elle a été nommée par Hévélius, comme de nombreuses formations lunaires d'ailleurs. Donc au XVIIe siècle. Et puis, donc, sur les Alpes lunaires, nous avons le Mont Blanc. On va essayer de le trouver. Voilà le Mont Blanc. Donc, qui est ici exactement. Qui culmine à 3600 mètres. Donc, notre Mont Blanc à nous est un petit peu plus élevé, puisqu'il était à 4807 mètres. Dans les anciens cours de géographie, et paraît-il qu'il est monté à 4810 mètres, peut-être parce qu'il y a 3 mètres de neige de plus qu'avant, malgré le réchauffement climatique. Ici à côté, on a le promontoire de Vide. Et ici, le promontoire Agassia. Le promontoire de Ville fait référence à Sainte-Claire de Ville, qui est un géologue français né en 1874 et mort en 1876. Et le promontoire Agassiz fait référence au Cap Agassiz, donc à Louis-Jean Agassiz, qui était un naturaliste suisse né en 1807 et mort en 1873. Alors ici, on reste toujours du côté de Tenerife. À côté du mont Piton, on trouve un petit cratère qui est le cratère Piazzi Smith. Piazzi Smith, qui était un astronome anglais, qui a beaucoup œuvré pour l'astronomie à partir de Tenerife, justement, puisqu'il a mené de nombreuses observations depuis l'île de Tenerife. Donc c'est Charles Piazzi Smith, qui était écossais exactement. Et donc 1819 pour sa naissance, 1900 pour sa mort. Le cirque Piazzi Smith, c'est un petit cirque de un petit peu moins de 13 km de diamètre et de 2530 mètres de dénivelé. Donc ça fait un très bel ensemble avec le mont Piton. On s'approche de la zone du Terminateur et là on a de très très belles images. Même si elles sont turbulentes, on est au sud du cirque Platon. Et nous sommes sur les monts Tenerife, qui rappellent de bons souvenirs récents d'observation de l'éclipse totale de Lune du 16 mai. Là, on a l'ensemble de la chaîne des monts Tenerife.
C'est évidemment référence aussi aux observations réalisées sur cet archipel par Piazzi Smith. D'ailleurs, l'observatoire à partir duquel observait Piazzi Smith, son point d'observation, c'est une montagne qui est visible de l'actuel observatoire solaire du Taïga. On va remonter un tout petit peu sur le cirque Platon. Vous voyez que malgré la turbulence, il y a quand même des détails qui sortent. Ça veut dire que peut-être que le télescope s'est mis un peu à température, c'est possible. Donc le cirque Platon, c'est un cirque qui est l'un des plus connus donc, de la nomenclature lunaire, qu'on peut observer avec tous les instruments. Le voir à l'œil nu, c'est peut-être beaucoup en demander, alors qu'il y a d'autres cirques qui sont visibles à l'œil nu, évidemment. Donc, il fait référence naturellement au philosophe du même nom, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, élève de Socrate. Donc, c'est une plaine qui fait 100 km de diamètre, dont le dénivelé est en fait pas très important. Il n'empêche que si on se plaçait au centre de cette plaine, on ne verrait pas le rempart périphérique, puisque sur la Lune, la ligne d'horizon, quand on est à peu près à 1,70 m du sol, c'est de l'ordre de 6-7 km, pas plus. Donc quand on est au milieu des très grands cirques, à condition de ne pas être au sommet des pitons centraux, quand il y a des pitons centraux, on ne voit pas les arènes. Au-dessus, on arrive sur la mer du froid, Mare Frigoris. Et là, on a un cratère qui est bien, bien dessiné ici, et bien contrasté, qui est un cratère, donc, c'est un cratère français, on va dire, c'est le cratère Fontenelle. Donc on va essayer d'aller dans des contrées un peu moins boréales. Alors là, on voit bien la structure en coulée de lave de la mer du Puy, qui est en fait un comblement. On arrive ici sur un cirque très connu aussi, qui est le cirque Archimède. Le cirque Archimède, qui est une grande arène comblée. Et à ses côtés, un petit peu au nord, on trouve deux cirques aussi bien marqués qui sont Aristillus pour celui le plus au nord et Autolycus pour celui qui est juste en dessous. Bon, je vais tenter un petit zoom sur Aristillus. C'est un cratère très accidenté. Peut-être qu'une petite correction de mise au point ferait peut-être du bien, en essayant de jouer dans la turbulence.
Aristillus était l'un des premiers astronomes grecs de l'école d'Alexandrie, 3e siècle avant Jésus-Christ. Saint-Cirque a rayonnement de 55 km de diamètre et 3650 mètres de dénivelé, et comportant trois montagnes en son centre d'environ 900 mètres de hauteur. Donc vous voyez que quand la lumière s'y prête bien, on arrive quand même à distinguer un certain nombre de choses sur des petites montagnes de 900 mètres de haut. On passe à Autolycus, qui est un astronome grec d'environ 330 avant Jésus-Christ, un cirque de 39 km de diamètre et de 3400 mètres de dénivelé. Donc ce sont des cirques relativement récents, pas très abîmés. Il faut dire que sur la Lune, pour abîmer un cirque par l'érosion, c'est impossible puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. La seule façon d'user un cirque, c'est le rayonnement cosmique qui finit par dégrader les roches pour les transformer en régolithes. Et ce processus se fait sur plusieurs millions d'années. On va retourner sur Archimède. Archimède, qui était un cirque remblayé de 83 km de diamètre et d'environ 2000 mètres de dénivelé, et dans lequel, quand la turbulence se calme, on arrive à trouver des petits cratères d'environ 1 ou 2 km de diamètre. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même un test quand on a de bonnes conditions de stabilité. Donc là, petit clin d'œil à la mission Apollo 15, puisque là je vais centrer la faille Hadley qui a été le site d'alunissage de la mission Apollo 15. Donc la faille Hadley, on la voit ici, c'est cette petite rainure. Elle est ici exactement, voilà, c'est cette rainure-là. Et le site d'alunissage, il est juste derrière ce rocher, cette montagne ici. Et les monts Hadley, donc, ce sont ceux-là. Et le cratère Hadley, c'est le petit cratère qu'on trouve ici. Donc la rainure, c'est une rainure qui n'est pas très très large, hein. Elle fait quelques kilomètres de large. Alors Hadley, c'était un constructeur d'instruments scientifiques et d'instruments astronomiques en particulier, né en 1682 et mort en 1743. Et donc cette montagne, elle dépend de la chaîne des Apennins. Donc là, petite vue d'ensemble sur la chaîne des Apennins.
C'est une très très belle chaîne. Là, surtout aujourd'hui, c'est un Terminator qui va très bien pour l'observer. Bon, hier, c'était peut-être encore mieux parce que les ombres étaient encore plus portées, mais là, on voit quand même l'ensemble. C'est une chaîne qui est très très longue, de plusieurs centaines de kilomètres, et qui se termine là, pas très loin du Terminator. Alors, un cratère qui est très joli, qui est le cratère Ératosthène. Là, on dirait que la turbulence se calme un petit peu, même s'il y en a encore. On serait assez tenté de tirer le portrait d'Ératosthène, d'autant plus qu'il y a sur le Terminator des quantités de petits hérissements là, qui font qu'on a un très très beau plan. Donc, une petite séquence, c'est parti. Les images, je ne peux pas les traiter en direct parce que sur OBS Studio, il faudrait passer d'une fenêtre à l'autre et c'est un petit peu scabreux. Mais si ça donne quelque chose, ben, elles seront mises en ligne sur le Facebook de l'Observatoire. Incessamment sous peu, peut-être pas demain, mais enfin au moins ce week-end. Alors, si on veut faire de la pleine résolution, ce n'est pas des pleins champs qu'il faut faire, hein, parce que là, la cadence d'image, elle n'est pas très élevée, elle n'est que de 25 images par seconde. Si on veut vraiment infliger les trous de turbulence, il faut taper à 60, 70 images par seconde, minimum. Capturer les images de la Lune, il faut s'efforcer de ne pas avoir de régions surexposées, puisque c'est l'addition d'images qui va faire ressortir les zones les plus claires et les zones les plus sombres. Par contre, quand on surexpose sur les images élémentaires, bien, ça veut dire que sur l'addition, on va surexposer encore plus et on va perdre des détails et des zones qui ne seront pas exploitables. Donc, mieux vaut que les images soient un petit peu sombres, comme c'est le cas ici, mais pour que sur l'ensemble, il n'y ait pas de zone surexposée.
On va s'arrêter à peu près à 2000 images et ensuite je vais cropper sur Eratosthène puisque le ciel s'est quand même bien stabilisé et l'instrument probablement s'est mis en température aussi. Et en croppant, on va pouvoir augmenter la cadence d'image et donc obtenir 7 ou 8 000 images en très peu de temps. Donc il suffit de ceinturer un petit peu large de façon à pouvoir corriger les défauts de suivi. Et là, on a une cadence d'image qui est de l'ordre de 35 images secondes, qui est quand même un petit peu plus intéressante. Donc c'est parti, on recommence. Donc là, il faut jouer de la raquette. Au bout de 33 secondes, on est déjà à peu près à 1000 images. Alors on est à 5 000 images, ce qui est déjà pas mal. Donc on arrête et on va repartir sur un plein champ.
Le cirque Timocharis, astronome grec 280 avant notre ère. Un cirque de 35 km de diamètre et de 3 500 mètres environ de dénivelé. Et à côté de Timocharis, on a deux petits cirques. Le premier, c'est le cirque Feuillet, qui fait référence à Louis Feuillet, qui était un moine français qui, pendant 27 ans, a dirigé l'Observatoire de Marseille. C'est un cirque de 10 km de diamètre. Et le second, c'est le cirque Bayer, qui fait référence à un astronome amateur très connu, qui est Wilhelm Bayer, qui était un sélénographe allemand et qui a aussi largement contribué à la connaissance de la cartographie martienne. C'est un cirque aussi qui fait à peu près 10 km de diamètre et qui fait 1650 mètres de dénivelé. Au sud d'Ératosthène, on trouve ici le cirque Stadius. Le cirque Stadius qui fait référence à Jean Stade, qui était un mathématicien et astronome belge, auteur des tables planétaires, donc 1527-1579. Donc c'est une arène de 64 km de diamètre. Et là, on arrive sur le cirque Copernic qui est en train de se lever, où le soleil est en train de se lever. Donc là, on a un morceau de l'arène de Copernic. Demain soir, on l'aura complet. Donc là, de Copernic, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On peut essayer d'optimiser un petit peu en augmentant l'exposition, mais on n'en verra pas beaucoup plus. En augmentant le gain. On a la chaîne des cratères, donc qui est sur le côté de Stadius, ici. Donc là, dommage que la turbulence se soit remise un petit peu en marche parce que là, il y avait aussi un très beau plan à faire avec la chaîne des cratères Ératosthène et l'arène, la demi-arène de Copernic. Au centre du champ, le cirque Gambart, nommé en l'honneur d'un astronome français de l'Observatoire de Marseille, qui a commencé sa carrière comme balayeur de l'Observatoire et qui a découvert 13 comètes. 25 km de diamètre, 1050 mètres de dénivelé. Et là, on a les cirques Gambart C et B, qui font respectivement 12,2 et 11,5 km. Le cirque Turner,
astronome anglais qui a participé à l'élaboration de la nomenclature lunaire internationale, 1861-1930, un cirque de 11,8 km et de 2630 mètres de profondeur. Un petit peu plus à l'ouest, un cirque qui honore un astronome français très connu, Jérôme Lefrançois de Lalande. Donc ici, on est sur le cirque Lalande. 1732-1807, 24 km de diamètre, 2590 mètres de dénivelé. Lalande a été un des directeurs de l'Observatoire de Paris, auteur d'une astronomie des dames et d'une histoire de l'astronomie qui fait encore référence aujourd'hui. Là, on arrive dans une zone largement connue des astrophotographes, puisqu'on est au nord du cirque Ptolémée. Et au nord du cirque Ptolémée, on trouve le cirque Herschel. Qui est ce cirque-là? Le cirque Herschel, qui donc fait référence à l'astronome autodidacte du même nom, qui était aussi organiste et compositeur, puisqu'il est auteur de 14 symphonies. William de son prénom, c'était le premier de la dynastie. Et à côté d'Herschel, on a un cirque qu'on aime bien aussi, c'est celui-ci, qui est le cirque Flammarion. Inutile de rappeler qui était Camille Flammarion. Donc le cirque Flammarion, c'est 75 km de diamètre. C'est une plaine murée. À côté de Flammarion, on a le cirque Sporeur, qui est celui-ci. Un astronome allemand qui a étudié l'activité solaire et la composition des taches, 28 km de diamètre. Et à côté de Sporer, on a le cirque Gilden, qui est ce cirque-là, traversé par une rainure. Gilden, qui était un astronome théoricien finlandais, un cirque de 47 km de diamètre. On descend vers Ptolémée. Donc, est une grande arène de 153 km de diamètre. À côté de Ptolémée, on trouve le cirque Albaténus, qui est celui-ci. Albaténus, qui était un astronome et prince arabe, qui a vécu entre 850 et 929. Et c'est un anneau de 136 km de diamètre. En dessous de Ptolémée, on trouve Alphonse, qui est Alphonse de Castille, roi de Castille et astronome, auteur des tablettes alphonsines, un anneau de 118 km de diamètre. Et en dessous, on trouve le cirque Arzachel, qui est un astronome hispano-arabe, auteur des tables de Tolède, donc un cirque de 97 km de diamètre. Et à côté, on trouve le cirque Alpetragius, qui est un astronome arabe du XIIe siècle, un cirque de 40 km. Si on descend, on reconnaît bien sûr le mur droit, qui est un effondrement. Un effondrement contenu dans une
une arène beaucoup plus importante qu'on trouve ici, qui est un très très ancien cratère. Et à côté, un cercle qu'on reconnaîtrait facilement, qui est le cercle Burt, qui honore William Burt, qui est un astronome et sélénographe anglais. Donc 7 km de diamètre. Et à côté, on dit 7 km de diamètre, c'est Burt A, qui est juste à côté ici, qui fait 7 km de diamètre. Le deuxième cratère qui borde le mur droit, c'est le cratère Tebbit, qui est un astronome de Bagdad, qui a traduit l'Almagestum en arabe, donc 826-901, 55 km de diamètre. Et sur le côté, ici, on trouve un cercle qui est très connu, qui est le cercle Purbach. Astronome allemand du 15e siècle, 118 km de diamètre. Et en dessous, un cirque bien connu et qui est très très intéressant par les nuits sans turbulence, c'est Regio Montanus. Parce que cette région, quand le ciel est stable, elle fourmille de tout petits cratères. Regio Montanus qui est ici. Et à côté, le cirque Werner, puis Aliasensis. Et là, un magnifique cirque qui honore un astronome français, c'est le cirque des Landes. Henri des Landes, 1853-1948. Comme quoi les astronomes savent vivre vieux, même au 19e siècle. Inventeur du spectroheliographe, directeur de l'observatoire de Meudon. Et c'est une plaine de 234 km de diamètre, à peu près la même dimension que le cirque Clavius. Et à côté, on a Walter. Et en bas, ici, le cirque Lexel. Walter, c'est un astronome allemand du 15e siècle. Et Lexel, c'est un astronome finlandais. Donc là, Lexel, c'est 63 km de diamètre. Là, on arrive sur le cirque Tycho, dont on voit le piton central apparaître à la lumière du soleil, puisque le soleil est en train de se lever sur le cirque Tycho. À côté du cirque Tycho, on trouve ce petit cirque qui est le cirque Pictet. Astronome et naturaliste suisse du XVIIIe siècle, 62 km de diamètre. Tycho, c'est 85 km de diamètre. Ici, le cirque Street. Et en dessous, le cirque Longomontanus. Donc Longomontanus qu'on reconnaît avec ces trois petits cratères superposés ici.
Il honore Christian Longomontanus, 1562-1647, qui est un astronome danois qui est assistant de Tycho Brahe. C'est une planète de 145 km de diamètre. Et là, on arrive sur le cirque Clavius, un grand cirque très connu, dont l'aspect d'ailleurs ici n'est pas très classique, puisque là, on voit émerger deux de ces cratères. Donc, ils sont les cratères, donc a priori, ça doit être Rutherford C et D. Là, on a le cirque Rutherford qui est donc sur le bord de l'arène ici, d'un côté, et le cirque Porter qui est de l'autre côté. Là, ça vaut la peine, malgré la turbulence, d'en faire un petit portrait. Il ne sera pas à l'image du siècle, mais c'est quand même pas une configuration très courante. Il faut tomber au bon moment. Et là, on est au bon moment. Alors, inutile de dire que si on avait la patience de faire des séquences toutes les 5 minutes pendant 3-4 heures, on pourrait faire un accéléré du lever de soleil sur le cirque Clavius, assez sympathique. L'été n'est pas forcément la meilleure saison pour observer la Lune en début de nuit, puisque la déclinaison de la Lune ne peut pas être très très élevée, puisque le Soleil étant à peu près en ce moment à 22 degrés de déclinaison, le premier quartier de la Lune, il se trouve à peu près sur l'équateur céleste, voire un petit peu en dessous, donc la hauteur ici dans le nord ne peut pas dépasser 40 degrés quand la Lune est au méridien. On voit d'ailleurs que depuis le début de la séquence, des éléments se sont précisés ici. En quelques minutes, on voit la différence sur la projection des ombres. Et là, on arrive sur le pôle sud de la Lune. La région polaire sud, pas tout à fait le pôle évidemment, parce que le pôle on ne le voit pas vraiment. Avec les cirques Mauritius. 114 000 km de diamètre. Mauritius, qui était un mathématicien belge du XVIIe siècle. À côté de Mauritius, on a Grumberger, qui est ce cirque-là. Grumberger, qui est un mathématicien autrichien,
à cheval entre le 16e et le 17e, 94 km de diamètre. Et ici, le cirque Cysatus. Cysatus, qui était un mathématicien et astronome suisse, à cheval lui aussi, sur le 16e-17e, c'est un cirque de 49 km de diamètre. Là, on a le cirque Curtius. Curtius, donc astronome allemand, 17e siècle, 95 km de diamètre. Et ici, on a le cirque Pentland. Alors, vous voyez qu'il y a encore des quantités de cratères qui n'ont pas de nom, donc il y a encore de la place. Hein. En dessous de Moretus, on a le cirque Short. Qui est ce cirque-là? James Short, mathématicien du XVIIIe siècle, qui était aussi opticien, 71 km de diamètre. Et là, sur le Terminator, on a le cirque Newton qui est en train d'apparaître. Si on repart sur Clavius, on devrait voir des différences par rapport à tout à l'heure, il y a quelques minutes. On voit le cirque Rutherford qui se dessine de plus en plus. La nuit devient de plus en plus noire, le contraste est de plus en plus sympathique, mais la lune baisse de plus en plus. Demain, à la même heure, elle sera un petit peu plus haute, mais avec une déclinaison un peu plus basse. Là, ce serait quand même tentant de faire quelque chose ici. Alors là, on a peut-être intérêt à baisser l'exposition et augmenter le gain. Là encore, ce ne sera pas l'image du siècle du point de vue résolution, mais c'est un peu dommage de laisser passer ce panorama, sachant que si la séquence est mauvaise, on peut toujours l'effacer.
Voilà, reparti au départ de ce voyage lunaire. Donc rendez-vous demain soir à partir de 22 h pour une nouvelle petite virée au-dessus de notre satellite, avec une phase qui sera un petit peu plus portée vers l'est, et avec un terminateur qui découvrira des formations intéressantes telles Copernic et d'autres cratères, desquels on fera aussi l'inventaire. Bonne nuit et à demain.